Le PAOK s'est hissé en tête du classement en battant Pantesalico, 4 buts à 1 contre Volos. Le pénalty de Schwab à la 24e minute a ouvert la voie à la victoire pour Dekefalos, qu'il a effectivement verrouillé à la 36e minute lorsque Ferrari, qui avait également tiré le pénalty plus tôt, a été expulsé. L'intervention de Kotowski sur pénalty d'Altman dès la 3e minute a été décisive. Le match a eu un excellent rythme et jusqu'au 10e carton, le PAOK a raté deux très grosses occasions avec Mog et Tissoudeli, Kovac battant ce dernier en 4-4. Ferrari a réalisé un tackle salvateur devant Despodov à la 12e et à la 23e minute. Dikefalos a obtenu un penalty pour avoir marqué Ferrari sur Despodov.